Yo les gens, donc c'est Sauron. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que je vais vous parler d'un sujet qui me préoccupe énormément, c'est la venue des nouvelles troupes noires. On le sait très bien, quand on va dans la caserne noire, on a les troupes disponibles ici, mais il y a des petites cases avec marqué prochainement, dès les trois premières troupes noires qui ont été mises dans le jeu, c'est-à-dire le serviteur, le cochon et la valkyrie. D'ailleurs, je me rappelle que c'est à l'époque du... En fait, le chevaucheur de cochon, il pouvait sauter les murs et on mettait un sort de soin sur, un groupe de cochons et ça nettoyait les villages de façon phénoménale et c'était vraiment super cheaté. Je me rappelle que ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si on parlait un tout petit peu des troupes noires, on n'en parle pas énormément et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors pour moi, les troupes noires, c'est un ajout au jeu qui a été vraiment extrêmement important parce que ça a permis l'avenue, par exemple, des golems, qui est un élément extrêmement utilisé. Et des serviteurs aussi. Les cochons ont eu ont été très utilisés au début, ont été nerfs, ont été améliorés, encore nerfs. Enfin, il y a eu des soucis avec les chevaucheurs de cochons, mais c'est utilisable encore. Les valkyries, peu de gens les utilisent. Je les trouve vraiment stylés, mais malheureusement pas très utilisés. Les sorcières niveau 3, il y a quelques semaines encore, elles étaient très cheatées au moment de la mise à jour. Ils ont un petit peu baissé les points de vie de la sorcière, mais bon, ça reste une troupe super cheatée. Et à une époque, les gens faisaient 11 sorcières et gagnaient les batailles. Et le molosse de lave, bien sûr, pour les compos aériennes. Donc c'est vraiment un atout au jeu incroyable. Maintenant, on se demande comment et qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite, quelles troupes il pourrait y avoir. On a eu énormément d'idées. Moi, si vous voulez aller voir dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait pas mal d'idées de troupes. Ou même d'autres youtubeurs, ou même parfois d'autres... simplement sur internet, des images, etc. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Maintenant, moi ça m'intéresse de savoir votre idée. Je vous avais déjà demandé, on avait déjà dit que on allait en parler. Donc là on continue d'en parler jusqu'à ce qu'on ait à la prochaine mise à jour une ou deux ou peut-être même trois d'un coup une nouvelle troupe. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire exactement, mais si on analyse un petit peu, on a deux troupes aériennes dans ces troupes noires. On a un cochon qui peut sauter les murs, on a une valkyrie qui peut tourner sur elle-même, on a un tank, on a deux tanks, on a le golem et le molosse. Donc c'est peu probable qu'on se retrouve avec une nouvelle troupe noire de type golem. On a quelque chose qui va faire soutien, c'est-à-dire les sorcières et aussi les serviteurs. Le cochon dans tout ça, c'est une troupe à part entière, hein, et c'est ce que je me dis, est-ce que ce serait pas du coup la prochaine troupe noire qui serait un peu comme le frère du cochon, c'est-à-dire que on a serviteur sorcière, golem, molosse, et on a cochon et valkyrie qui sont tout seuls, ils ont pas vraiment d'équivalent en eux-mêmes dans les troupes noires, ou même dans les troupes normales. Donc, est-ce que ce serait pas tout simplement une troupe qui aurait, comme les cochons et comme la valkyrie, qui irait foncer? C'est un peu le molosse, c'est le tank, le serviteur, c'est le soutien. Le cochon, pour moi, ça correspond un peu au barbare des troupes noires. C'est un peu celui qui va foncer et donner des dégâts. Mais en même temps, il est considéré comme un genre de géant parce que il va prendre des dégâts parce qu'il a quand même pas mal de points de vie, mais ça a été beaucoup baissé depuis justement. Donc est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement quelque chose entre les deux? Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre dans la prochaine mise à jour. On peut vraiment pas deviner. La prochaine vidéo que je vais vous faire, du coup, ce sera un concept de troupe. J'espère que du coup, je vous avais demandé déjà en fait dans l'autre vidéo de me donner des concepts de troupe. J'en ai pris note, mais j'aimerais en avoir d'autres, histoire de brasser un petit peu le truc, qu'on ait vraiment quelque chose de plus construit, et éventuellement que je puisse faire un brainstorming de toutes les idées que vous m'avez données, et qu'on fasse une troupe vraiment sympathique, et que je puisse vous montrer qui pourrait être sympa. N'hésitez pas à vraiment débattre dans les commentaires, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper comme troupe. On sait qu'on peut pas deviner, mais on peut anticiper, et ça fait les joies des mises à jour, donc voilà, je vous dis à toutes.